Another day in my wonderful realm. And what have we here? A dispute requiring my judgment. Obviously, my pitiful subjects are completely lost without me. Let's see. The big bad wolf is suing the three little pigs for damages after sustaining a head wound from a falling roof tile while he was blowing down their house. On the other hand, the three little pigs are suing the big bad wolf for damages to their house. Coucou à tous, c'est Dulcia et bienvenue pour ce premier épisode sur Seville. Alors Seville, c'est un point and click qui est sorti en 2009, il me semble que c'est 2009, où on incarne un petit tyran, un petit roi tyran qui est Seville. C'est un jeu qui est rempli d'humour, hein. J'adorais le jeu à l'époque, c'est un peu... C'est un humour noir, évidemment, c'est vu là, un humour noir parce que c'est un tyran, mais c'est très drôle à jouer. Mais c'est un jeu qui se déroule un peu comme une pièce de théâtre en plusieurs actes. Alors voilà, Seville est sur son trône et on doit prendre une décision. Donc le méchant loup, grand méchant loup, attaque les trois petits cochons et les trois petits cochons attaquent le méchant loup. Vu qu'on est un tyran, eh ben moi j'ai décidé qu'on allait tous les punir pour nous embêter un peu. I should punish them all. They're all going to pay for making me listen to that trivial. Voilà, ça c'est du civil. A few years in the mines would be appropriate here. How lovely! I don't think I've ever spoken a fair judgment. Ah oui, c'est vrai, le jeu n'a pas de voix française. Je pense même que la version française est assez. Et ça c'est rare, moi j'ai la version française, enfin sous-titrée en français parce que les voix n'existent pas en français. Mais je pense qu'elle n'existe qu'en version boîte. Je l'avais acheté à l'époque, en version boîte. Mais je pense qu'en version digitale sur Steam ou autre, elle n'existe qu'en anglais. Sans les sous-titres, bon, il y a peut-être des patchs français qui existent sur internet, mais je ne suis pas sûr. Ah, voilà nos chers gardes. Ne regardez pas en bas à droite. Hein. To arms! Rebels are attacking the palace! Quel magnifique tatouage. Treacherous scum! What are you doing just standing there? Get out there and drive off that rabble! Well, you see... Well, out with it. Well, it's like this. Oh, be quiet, you idiot! We've decided that you don't pay us enough to go out and fight those rebels. We've decided to join them instead. What? You traitorous worm want to stab me in the back? Well, I wouldn't go that far. We'll just keep you here until reinforcements arrive from the rebels. Maybe I should have hired some decent personnel after all. Rebels, come quick! We've captured Seville! Somehow I have to get down to the castle cellar. Maybe then I can escape through the hidden magic portal. Voilà, on est au acte 0. Je pense qu'il y a en tout 3 actes. Donc acte 0, 1, 2, 3. Peut-être même un 4e acte, mais ça m'étonnerait. Non, non, il y a 3 actes. Donc je diminue juste un peu le son. Parce que je suis trop diminué. Give up, Seville. Voilà, là c'est bon. Voilà, donc là on incarne Seville qui a un sceptre multifonction, c'est donc l'inventaire. Donc comme je pointe un clic, on va récupérer des objets et on doit trouver un moyen de descendre dans la cave de Seville. Oh, the two metal balls on the ends prevent me from taking the rope. You can't escape. A good plan. The only problem is that I needed 5 men just to get the stairs where they are now. What a pitiful attempt at escape! Just accept your fate, why don't you? Évidemment, les gardes vont nous troller, hein, ça. Dr. Ignatius Faust de Seville the First. His crimes have been a shining example for every Seville since. A disgusting tyrant, just like all the others. Thank you for the compliment. Ah oui, pour Seville, c'est un compliment. Ah, how I'd love to fill my pockets with gold.
but I fear it would hinder my escape just a tad. Just leave it there. We'll take care of it. Ah, a kind of nastiness reminds me of someone. Ah là là, le garde est aussi tyrannique que ses vilains. Donc on peut pas se remplir les poches. Did I mention that the statue is carved from solid stone? Tipping it over is not an option. You want to use the statue to knock a hole in the wall? What a laugh! That will never work! You couldn't even eat that much spinach! Or fall into a vat of magic potion. ok, donc on va regarder le portrait, puis on va se diriger par là. Brunhilda. That's supposed to be a woman? She has more hair on her face than I have on my entire body! Admittedly, facial hair on women is a matter of taste. Well, no, not really, no. My great-grandfather's famous suit of battle armor. They say he never took it off. One day, he went for a swim, and, Ok, on a retrouvé que lui. Ah, les haches, ça va nous servir à couper... I still think he's going to escape. Be quiet, you idiot, let me... The axe is hanging just a bit too high. Alors, voilà. Normalement, ça devrait fonctionner, hein. Ah, bah c'est parfait. On a une hache. Oh, starting to get... But with a host of other crawling rebel scum on their way, beating the tar out of those two insignificant clowns isn't really an answer. Ok, on va quand même leur parler juste pour l'humour, parce que les dialogues dans ce jeu sont vraiment remplis de. Hey, I think the king wants ce serait triste d'en rater. He's not the king anymore, you idiot. We've rebelled. Oh yeah, that's right. So, what do you want? Clunk? Clunk, c'est why le gros que little panty waste insult you all the time? Exactly. Smiley, stop insulting me all the time. Be quiet, dolt. Okay. Quelle volonté. Whatever convinced you fools to go over to the enemy? It didn't take long once we saw that horde out there. Be quiet, dolt. We couldn't fight against this just cause any longer. Can't we solve this peacefully? No. Can't we just agree that you work for me again? No. Would a raise in pay change your mind? No. Eh, t'es dur en affaire, hein? Can we agree that you're clever? No. Priceless. Simply priceless. Ah, j'adore l'humour de ces villes, c'est tellement... Cowardly. En plus, on peut s'amuser à les insulter. Traitors! You, you malicious backstabbers! You low-down, sneaking, malicious collaborators aren't worth my time. Was that an insult? Oh, be quiet, you idiot. Ok, on va les laisser et on va retourner à notre plan d'évasion maintenant qu'on a les haches. On va pouvoir couper la corde. On va voir ce qu'on peut faire avec. Excellent. I knocked off that stupid tie-off. Ha! You think you could overpower us with that rope? On est plus malin que ça. Séville est bien plus intelligent que ça. Excellent. Now the rope is mine. Ok. Ouais, voilà. I built myself, let's see, a boarding axe. Après, faut voir maintenant par où on va s'évader parce que... faut pénible à parler. La fenêtre est assez tentante pour s'évader, mais on doit aller dans la cave. Je crois pas qu'on puisse renverser la statue avec. On peut essayer. Oi! I think Seville is trying to escape. Hey, stop that! That's better. Oh, my stomach is starting to growl something terrible. Why don't we take a break? Please.
No, we have to wait for reinforcements. I'd better leave the rope alone as long as these two brain dead jerks are watching me. Maybe I can get rid of them somehow. Ok, on va essayer de leur parler, on va essayer d'embêter l'autre. Vu qu'il a faim, on va essayer de le pousser à aller manger. Give up, parce que sinon, on ne sortira jamais d'ici. Oh, did you two useless dogs hear that thunder-like sound too? That wasn't thunder. That was Mr. Eat Everything in sight here. Hey, I'm just big boned, so I need the occasional little snack to tide me over. Ok, on va éviter de lui dire ça parce qu'on a besoin que qu'il dégage de la pièce pour pouvoir s'évader. Donc. I can understand that. With lunchtime coming up too, I am certain that the cook is preparing a truly opulent meal even as we speak. Yum. Oh yes, I can. Almost smell all those delicacies from here. Baked ham, chicken. I think we should take a break right now. What? No, that's completely out of the question. We have to make sure Seville doesn't escape. But I'm hungry. Oh, come on now. I'm not going to run away. How? The castle is surrounded by rebels. Exactly. Quel bon menteur, Seville. Now, let's get something to eat. Oh. All right then, let's go get a quick bite to eat. But you are going to be so sorry if the other rebels take Seville away from us. Excellent! Those two idiots were easier to get out of the way than I thought. Although it seems they have locked the door from outside. Bon, ça c'est pas vraiment un problème parce qu'on a notre plan, on a tout ce qu'il faut pour s'échapper à mon avis. Donc on va retenter avec notre hache d'abordage. Allez mon petit Seville. Ah bah oui, c'est bien par la fenêtre, il me semblait bien ça. La fenêtre est assez mise en avant. Par contre, après, va falloir trouver le moyen d'aller dans la cave, ça c'est autre chose. Sortir d'une pièce pour atterrir dans une autre. Ah ouais, merde. Parce qu'en plus, on est dans la cuisine. Bonjour, your reign. I've prepared the most delicious meal for you, my king. Parce qu'on a atterri dans la cuisine, mais les autres sont partis manger, donc ils doivent pas être très loin. Donc finalement, on s'est pas vraiment échappé hein, pour l'instant. Voilà, et c'est voilà. Enjoy your meal. Un burger ou à la soupe. Non, c'est au rat. C'est pas dans le. Non. Great. Something to eat. I just hope no one is considering this a last meal. You see, my kitchen chef hasn't heard of the rebellion closeted up in that kitchen. Yum. Not bad. I could almost stand a bit more of that. Ok, on va te regarder sur la table s'il y a rien. Ok, il y a l'horloge. Ok, la chope, on peut la récupérer. On peut faire sonner la cloche. Ok, après on va examiner les lieux et on va voir par où on va s'échapper. Et voilà! Enjoy your meal! Makes an absolutely delicious impression!
Mais bon, tu mangeras plus tard, hein, Sylvie. Voilà, merci. The floor has certainly seen better days, but the cost of repairs is absolutely ridiculous these days. Wait a minute. I could put a couple of offenders to work fixing that. What a brilliant idea. But first, I have to concentrate on making my escape. I'll attend to the cheap repairs project later. Ah oui, évidemment, il n'y a pas plus radin que ces villes. Et il trouvera toujours la méthode... Il y a une clé qu'il faudrait récupérer. Il trouve toujours la méthode la plus sadique pour régler ses problèmes, évidemment. Où est-ce qu'il va, là? Those two idiot guards are taking a break out there. Those two dolts will never let me by without a disguise. Unfortunately, that's the only way down to the cellars. Ok, on n'est pas loin de la cave. Il nous faut un déguisement. Donc je voulais récupérer la clé, moi, celui-là. Another item which is out of my reach. Ah bah oui, n'oublions pas que Séville est tout petit. Ah bah bravo, hein. Parce qu'on a une bière. Tant que ça mette pas plus le feu. The key is now mine, but what a cost! All those delicious, specially selected spirits simply evaporated! A tragedy. Oh, pauvre Séville. Ok, la clé, l'horloge. Open, sesame. That pendulum is in my way. Ah ben, marchera moins bien maintenant la pendule. Too bad about this lovely piece. Oh well, at least there's more room in the clock now. An excellent place to hide. Ok, je pense que, à mon avis, on doit faire un mauvais coup au cuisinier pour lui piquer ses vêtements pour se déguiser. C'est le seul déguisement qu'il y a dans le coin. Et en pensant façon civile, donc tyran, il prendra toujours la méthode la plus sadique pour arriver à sa fin. En tout cas, on trouvera peut-être quelque chose dans sa cuisine. Where is the little king? Ah well, I put a fresh portion on the table for him. Ok, ok, il y a un chrono. Oui, il y a un chrono, je le vois pas, mais je l'entends. Ok, 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 il n'y a rien d'autre. Ah, I can already hear the cook coming closer. Bon, j'espère qu'il n'y avait que l'huile d'olive à récupérer. Sacrebleu! You may be the king, but this kitchen, she is mine. If you want something, just ring for it. Ce qui est marrant, hein, comme les voix sont en version originale, hein, on entend que le cuisinier apparemment est français et parle anglais. Ça fait des phrases un peu avec un accent ridicule ou une construction de phrases ridicule. Donc on en était où? Ok, on a l'huile d'olive. Non, ça ne sert à rien, on a l'huile d'olive. Est-ce qu'on peut la renverser? Ouais. Why? Ah, merde! Ok, j'ai compris. But then again. The culinary remains then again. It was worth. Allez, Séville, viens par ici. Ok, on va faire manger Séville parce que sinon, à mon avis, le cuisinier nous ramènera pas à notre plat. Ok, quand on était dans la cuisine, il fallait renverser l'huile d'olive. Not bad. Ok, on retourne dans l'horloge et on recommence le même petit stratagème. Et cette fois-ci, on n'oubliera pas de mettre... de renverser l'huile d'olive. Et à nous les vêtements de cuisinier. Hello?
Where is the little king? Ah well, I put a fresh portion on the table for him. Ok. Ah, ici. Voilà. On va finir dans la chambre. Ah merde, faut ouvrir la chambre froide, sinon ça va pas fonctionner. A slippery affair. Now that's a bitter cold coming out of there. Mais quel sadique. I can already hear the cook coming closer. Ok, normalement cette fois-ci c'est bon. Il va encore nous faire un sermon parce que c'est sa cuisine. Mon Dieu! You're back again! I've told you, there is nothing here for you in the kitchen! Non! Pauvre cuisinier, il a dû se faire mal en plus. Please, let me out of here! Wonderful! One less problem. Although I will miss his cooking. Ah, heureusement pour nous, il a fait tomber sa toque, mais je sais pas si c'est suffisant comme déguisement. It is very cold in here. Ah, c'est tellement sadique. Ok, j'espère que la toque va suffire comme déguisement, c'est ridicule. Eh vas-y, Séville. Surtout qu'avec les vêtements que Séville porte ses propres vêtements, il a juste une toque de cuisinier, c'est ridicule. Le truc pas crédible du tout, quoi. Ok, la cave est juste là. Those two useless twits have locked the door again. This is getting to be a habit. Ah merde, j'ai passé la cinématique. Torture chamber. Ah, sweet, sweet memories. But this is neither the time nor the place for nostalgia. All I have to do is find that secret passage and I can leave these rebels behind me. Ok, on a réussi à aller dans la cave. Apparemment, le déguisement a fonctionné. Ok, c'est la salle de la cave, c'est la salle de torture de Séville. He really talked himself out. Unfortunately, there is no gasoline in the area. Ah oui, carrément une tronçonneuse, hein. I've had enough of axes for today. Too uncomfortable for me. Une chaise d'épine. No time to rest. Although, as an evil genius, I would be more than happy to use this box to achieve world domination. But there is no way you would ever catch me sitting in front of one. Je crois que je préfère pas savoir ce qui passe à la télé comme, comme émission pour torturer les gens. Ah, wonderful. This is where the mechanism for the secret passage is hidden. I'd forgotten. Ok, on va essayer de trouver le passage secret d'abord. À mon avis, c'est de l'autre côté. That's Benjamin. He came with the torture chamber. Ah, mais c'est de Unfortunately, I don't have any money with me at the moment. Excellent. The magic portal is hidden behind this door. Another secret passage built by my ancestor Stradivarius Seville. Unfortunately, I never really looked into just how it is opened. Too uncomfortable for me. On va essayer d'activer le passage secret, on va sortir d'ici. Finalement, Séville aura quand même réussi son évasion. Voilà, parce qu'apparemment, il manque quelque chose pour le mécanisme. Ah. My scepter fits perfectly. But the machinery is too rusty for me to be able to push the lever down. I don't think so. No. Okay, sur le mécanisme, essayons. Fantastic. I've oiled the machinery thoroughly. Eh, vas-y, Séville, recommence. Ça devrait fonctionner cette fois.
C'est un canard sur son sceptre. Elle n'a jamais fait attention. Ah oui, je me souviens de cette scène. Elle est vraiment drôle. Je vous laisse profiter. Ah, Basilius, my loyal servant. Despicable rebels have laid siege to my castle. I know, I know. You see, it was I who encouraged that good-natured mob to rise against you. What? You treacherous worm. This is all you're doing? Why? All these years, you've treated me like dirt, but that's all over now. Soon, those good-natured fools out there will set the good-hearted yet simple-minded Gwendolyn on the throne. But don't worry, I already have a plan which will ensure that she never takes the throne. So, I, Basilius, will take up the scepter and begin my evil reign. Perhaps I shall summon a couple of demons to roam the land in my name. Sometimes I wonder why the bad guys always feel the need to explain their evil plans. You, crackpot! Just wait. I shall escape and my revenge will be horrible indeed. Oh no! Oh yes! Bah! My laughter is much more evil than yours, and your days are numbered! Goodbye, Seville! I'm starting to run out of escape routes. Everywhere, nothing but traitors! Suspense. No one in sight. Obviously, the villains are hiding in fear. Not surprising. C'est bien que c'est petit, mais quand même. After all, I am extremely powerful. Hey, you. Who are you, and how did you get into my castle? Ah, Seville, you evil tyrant. At long last, I finally meet my nemesis. Tremble, for I am Ambrosius, paladin and loyal servant of all that is good and right. You wonder how I got in here? Well then, I shall tell you. Quelques minutes plus tôt, aux portes du château. Oh good and brave citizens of Ferianus, today is our day. I, the heroic paladin Ambrosius, your beloved leader, did not hesitate to take up arms against that despicable tyrant, Seville. It was my strategical genius that allowed wave after wave of you to dash yourselves against the castle walls. You idiot! You, I mean, we will not rest until that tyrant has been captured. Yet before the final battle begins, I would like to address to you a few words of inspiration. Oh, please, not more of that drivel. Alors, Ambrosius est très narcissique. Alors, écoutez, d'ailleurs... Listen, I'll just jump on this lovely well here, and then I shall tell you something, oh, you rebel. Évidemment, comme un idiot, tu vas tomber dedans. I dream of a beautiful and gentle world. A world in which young girls can skip through dark forests without fear of being attacked by big bad wolves. If he'd only put his money where his mouth is! Seville, your days as tyrant have come to an end! Oh! Oh no! Stop! No! Ah, quel idiot!
Narcissique et idiot. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur Séville. Donc au prochain, bah, on va continuer la partie d'Ambrosius. Bon, la porte Séville se trouve juste derrière cette porte, hein, sur la porte ressemble. Et vu qu'on a entendu une musique quand il est apparu devant Séville, ça doit avoir quelque chose avec ces gargouilles. On va essayer. That sounded rather strange. Voilà, donc à mon avis, ça doit être plus simple. On doit trouver la mélodie pour ouvrir la porte. Donc on va s'arrêter là et au second épisode, on continuera la suite d'Ambrosius. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve bientôt. Bye bye!